Bonjour à tous, c'est Bérénice et bienvenue sur la chaîne L'Atelier de Moustique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais un haul de mes petits achats que j'ai effectués sur le site Temu. Donc j'ai eu un achat, j'ai fait un achat de 4, non, de 5 objets. Dont un qui n'a rien à voir avec le Diamond Painting, mais je l'aimais bien et je voulais le prendre. Ça fait un moment qu'il me tapait, qu'il me faisait de l'œil et j'avais envie de le prendre. Et comme je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup, je me dis pourquoi pas prendre ça, ça peut être efficace pour moi. Et en plus, j'avais fait une commande avant et j'avais eu un article qui était plus dispo, donc du coup j'avais eu 5 euros de crédit. Et ma commande était arrivée en retard, donc du coup j'ai encore eu 5 euros de crédit. Donc en fait au total j'ai eu 10 euros de crédit que j'ai déduit de cette facture-là. Donc du coup bah, c'était tout bénef pour moi, j'ai profité, je me suis dit allez, je me fais plaisir. Enfin je me fais plaisir. Je commande ça et voilà. Donc je vais vous montrer, alors je vais vous montrer la chose la plus imposante du carton. Hop. Voilà. Donc c'est une boîte comme ça, donc fermée, donc il y a juste écrit Made in China, donc il n'y a rien du tout sur la boîte. Ah si, ici il est marqué, non, mon sens, il n'y a rien, bah ouais, vous voyez rien, enfin il n'y a rien d'écrit, donc vous ne savez même pas deviner ce que c'est. Et dedans, c'est un gobelet comme ça. Donc, je vais sortir, donc ici il y a déjà la paille. Alors c'est très grand, je ne m'attendais pas à si grand. Et en fait, regardez, c'est ça. En fait, je vais devoir le mettre plus haut. Regardez, c'est un mug comme ça. Donc, en termes de hauteur, il fait quand même... au total, avec le truc transparent, il fait quand même 27 cm. Donc, vous avez une poignée. Donc, moi, je l'ai pris en couleur bleue, mais il y avait plein de couleurs différentes. Donc, ici, vous avez un couvercle... que vous devez savoir dévisser normalement. Ouais, ça se dévisse. L'intérieur, c'est tout en inox comme ça. Donc je suppose que ça peut contenir du chaud et du froid. Donc là, je ne l'ai pas lavé. Hein. Enfin, je viens de le déballer. Donc on voit qu'il y a de la poussière dedans. Donc il faudra le laver avant. Ici, on a un rond. Je ne sais pas pourquoi. Donc comme ça, donc je suppose que vous pouvez boire aussi sans le couvercle et ou avec couvercle. Donc ici vous avez le couvercle qui s'adapte au-dessus. Vous avez ici un truc qui pivote. Donc vous pouvez fermer du coup l'entrée ici ou du coup ouvrir et boire comme ça ou ouvrir comme ça et du coup mettre la pince. Là, la pince, la paille. Donc du coup ça, ça se serre. Oh, je sais pas si c'est très hermétique, tiens. On verra si c'est fort hermétique, parce que ça m'a l'air de bouger. Je sais pas, à voir. À voir, je vous dirai si c'est hermétique ou pas. Et du coup, ici, j'ai reçu une très grande paille. Donc, emballée. Et cette paille, donc, vous la mettez ici dans le trou. Hop. Et effectivement, elle touche jusqu'à la fin. Et alors, c'est pour vous boire. Alors, la quantité, c'était 40 OZ. Alors, je ne sais pas du tout quelle quantité ça fait. Un litre, peut-être. C'est pas un litre et demi, mais ça fait facile un litre. Hein. Sûr. Sûr. Donc, franchement, je trouverais vraiment bien. Et c'est cet objet-là que j'avais commandé sur une autre commande et qui avait plus de stock. J'étais en rose, même, je crois que je l'avais pris. Et là, ben, elle était dispo. Après, c'était un autre vendeur. Hein. Et là, elle était dispo et elle était au prix de 13,27 €. Donc, sur la boutique Temu, je vous mettrai en barre de description... le lien pour ce gobelet. Donc vous pouvez avoir du chaud et du froid. Donc, vous voyez comment ça se... Allez, comment il est. C'est pas lourd, hein, c'est léger. C'est léger. Franchement, il est beau. J'aime vraiment bien. J'aime bien la couleur. Bon, la paille, je vais l'enlever. Je vais le mettre comme ça et je vais mettre dans la boîte et j'irai le laver. Donc ça, il était à 13,27 € sur la boutique Temu. Ensuite j'ai pris un lot de perles en strass. Donc regardez, qu'est-ce qui est écrit 20, je pense qu'il y en a. 20 sachets.
Et on va regarder ensemble parce qu'en fait, moi, les Sperlingstrass, j'ai pas tous les DMC. Et du coup, je voudrais avoir les DMC essentiels et pouvoir retrouver plus facilement les DMC des strass quand on a une toile. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20. Il y en a 20. Alors, au niveau des... Donc, effectivement, il y a bien les DMC écrites. Vous voyez, sur le sachet, toutes les DMC sont écrites. Donc, c'est pas dans l'ordre. Hein. Non, c'est pas dans l'ordre. Donc, au niveau des couleurs, j'ai reçu du bleu, du vert. J'ai reçu du jaune plus foncé, du rose, une autre teinte de bleu, de l'orange, du bleu. Du rose mauve, un mauve clair, du transparent, du rose, du mauve, du bleu, du citron, du jaune citron. Ah bah du noir. Bon, j'ai reçu du noir classique, ça n'a rien à voir avec les strass. Ça, c'est de l'arnaque par contre. Hein. Ça, c'est franchement. J'ai pas besoin de 310. On demande des strass. Ici, du rose et encore du rose. Et ici, alors on dirait du noir, mais non, il y a un reflet vert. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Regardez, je vous bouge un peu. Il y a des reflets verts dedans. C'est du 699. Et ici, du vert encore. Donc ça, 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5, les 20 sachets du coup. J'ai pas fait attention combien qu'elle en avoir des sachets en fait, j'ai fait au pif. Les 20, je savais même pas quelle couleur j'aurais eu non plus. Hein. Quel DMC j'aurais eu. J'ai vraiment fait au pif. Les 20 couleurs de perles DMC donc étaient au prix de 3,19 €. 3,19 €. Alors, bon, ah, on a ça. Ah, c'est des sacrées bouteilles. Je sais que j'ai pris plus grand cette fois-ci. Donc ici, vous voyez, ça arrive emballé encore à part dans une pochette bulle. Hop. Ah, tout est comme ça. Donc j'ai des gants. J'ai deux gobelets. Et j'ai les moules, la résine en fait. Donc la résine A et la résine B. Donc le A et le B. Donc il faut mélanger la même quantité de A avec la même quantité de B. Enfin, vous prenez d'abord un petit pot dans A, vous mélangez, vous attendez que tout soit bien mélangé. Vous mettez la même quantité de B, vous mélangez les deux ensemble et vous mélangez correctement. Et après, vous faites des stylets ou des porte-clés, enfin ce que vous voulez, mais ça vous allez voir aussi dans les prochaines vidéos. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en époxy en résine et moi je laisse sécher 24 heures. Donc ça c'est ce que... Ah bah il y a encore plein de trucs dedans. Alors ici j'ai reçu deux pipettes pour aller piocher ça dedans, mais ça j'utilise pas. Ah ouais, parce que du coup les gradués, on sait exactement quelle quantité on a besoin. Ça c'est des spatules pour touiller, donc ça c'est super pratique. Et ici, je sais pas, c'est quoi? Des trucs pour les doigts. Ah, pour protéger. Bah non, on a des gants. Je sais pas quoi ça sert ça, des protège-doigts, mais je sais pas. Ça, franchement, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Alors, pour ces moules, en plus, c'est pas... Enfin, c'est pas donné, toujours ces moules, mais au début, je les avais achetées en petite quantité. Et après, mais ça part vite, hein. On consomme beaucoup, en fait, cette résine. Il faut en mettre beaucoup, quand même. Et ça, cette résine, elle était au prix de 13,49 €. Donc, sur le site Temu. Donc, ça, c'était emballé à part. Ensuite, ici... Je ne l'ai jamais vu sur YouTube, je ne l'ai jamais vu sur les sites partenaires, cette barquette comme ça. Alors, vous avez une très très grande barquette
une immense barquette comme ça, du coup. Ça, celle-là, elle est gigantesque, avec le trou ici au bout. Et ensuite, vous avez trois petites barquettes que vous mettez dans le sens que vous voulez, hein, les couleurs que vous voulez. Hop, trois autres petites barquettes. Donc ça, c'est top. Et j'aime bien les couleurs. Franchement, les couleurs pastel comme ça, elles sont belles. Avec la couleur mauve comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et ces barquettes étaient au prix de 2,52 €. Donc voilà pour le quatrième article. Et le dernier, c'est un petit cahier. Ah ben, je vais mettre à l'endroit. Donc un petit cahier de Diamond Painting pour écrire l'étoile. Il me paraît un peu petit. Je ne m'attendais pas à si petit. On verra ce que ça donne dedans. Donc ce bouquin appartient... Donc je vais mettre mon nom. En même temps, il n'y a personne qui va venir me le voler, mon bouquin, je pense. Date. Donc l'artiste... Le nom de la toile, la photo, le type de perle, la taille, la compagnie, si c'est du blanc complet ou si c'est du partiel, le nombre de couleurs, le nombre d'AB, la date de la commande, la date de la réception, la date qu'on a commencé et la date qu'on a fini, la qualité, est-ce que c'était pour un événement, oui ou non, ça je sais pas, le nom de l'événement, Everall Racing, je sais pas, note, et donc vous avez ça pour toutes les pages. Ouais, c'est la même chose pour toutes les pages. J'en ai quand même perdu des pages. Je le voyais plus grand, le cahier. Après, voilà, il y a l'essentiel écrit dessus. J'avais déjà pris un cahier comme ça, moi, sur Amazon. J'avais dit, oh, je préfère écrire moi-même. Et là, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Après, je m'attendais quand même à plus grand parce qu'il est quand même à 6,39 €. Donc, sur Temu, je m'attendais quand même à plus grand et plus épais. Parce que là, au final, il n'y a pas énormément de pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vous voyez, il y a 30 pages. Donc, c'est pas énorme encore. Hein, comme je trouve... Allez, c'est pas énorme. Donc, voilà. Après, il est beau. Hein. Il est beau. Il est très girly. Hein. Donc, il était au prix de 6,39 € sur Temu. Donc, je vous mettrai aussi en barre d'infos donc tous les produits que je vous ai montrés. Donc, ici, la barquette, le livre, les perles. La résine et ben là je vais le remettre plus loin mais vous n'allez pas voir du coup ce que c'est ici ça c'est le mug pour boire donc tous ces produits je les montrerai je les mettrai en barre d'infos en barre de description comme ça vous pouvez les retrouver facilement sur le site Temu et voilà comme ça ce sera plus facile pour vous. Donc voilà mes achats, sinon moi je vous souhaite à tous une excellente journée, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, généralement les hauls ça vous plaît, ça vous plaît, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous souhaite à tous une excellente journée, bisous, bye bye.